Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce chauffe-épaule au crochet en partant simplement de la base de granny. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, il est très simple, il faut simplement savoir faire des granny. On va commencer par en faire un premier, ici par exemple, là. On va faire un premier que l'on va faire de la taille que l'on désire, que ça fasse pas d'épaule à épaule, mais avant les épaules, un petit peu avant les épaules, pas que ce soit trop large non plus. Dès que vous avez trouvé la bonne taille pour le premier, au total, vous allez en faire 10. 10 également, pardon, 10 avec le même nombre de rangs. On va finir par assembler les 5 premiers, une première fois. Ensuite, on va assembler les autres 5 et faire l'union ici du haut sur les bras. D'un côté, faire l'union du haut de l'autre côté, faire également l'union ici sur le bas. Vous pouvez donc utiliser ce que vous désirez. Là, j'ai pris du... Voilà, j'ai retrouvé les pelotes. J'ai pris de l'azurite. J'ai eu besoin au total. Donc, en comptant bien les deux couleurs, j'ai eu besoin de 400 grammes de fil. C'est des pelotes de... Juste que je retrouve de 50 grammes pour 140 mètres. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Donc là, je vous montre simplement moi ce que j'ai utilisé. Vous utilisez ce que vous désirez. On va faire une finition ici de maille serrée. J'ai fait un simple tour de maille serrée. Vous pouvez en faire bien plus pour faire quelque chose qui descend. Vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez. Là, actuellement, je n'ai personne sous la main pour vous le montrer porter. Mais je vais vous mettre des photos juste derrière. Comme ça, vous pouvez voir le résultat porté. Donc, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct, tous les liens directs qui peuvent être importants se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum de vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici sur notre premier et on ramène l'autre à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui va compter. Là, on peut lâcher. Donc, on a fait une première maille en l'air. Là, on va faire une deuxième et une troisième qui correspondent à une bride. Un jeté à l'intérieur du cercle, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes. On a une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. Deux mailles de séparation. Toujours dans le même espace, on va refaire un groupe de 3 brides. Au total, on va faire 4 groupes de 3 brides séparés avec 2 mailles. Donc là, j'ai mon deuxième. 2 mailles de séparation, même espace. On refait un groupe. Deux mailles de séparation. Même espace, on refait un dernier groupe. Et 3. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 groupes avec 2 mailles de séparation. À ce stade, je vais déjà fermer mon cercle magique. Je reprends le fil de départ et je tire dessus. Alors maintenant, je vais vous montrer deux méthodes, parce que moi, je vais changer de couleur. Si vous décidez de continuer avec la même couleur, vous allez simplement faire un jeté. Entrez ici dans la troisième maille de la première bride, on rentre, on ramène, un jeté à travers le taux. Comme ça, vous allez démarrer directement ici du centre. Là, par exemple, si vous continuez avec la même couleur, vous faites simplement 3 mailles en l'air qui font la première bride. Ici, dans l'espace, vous en remettez 2. Une, oups, et 2. Comme ça, on démarre bien du centre. Ensuite, vous allez continuer le même procédé que moi. Comme j'ai décidé de changer de couleur à chaque tour, je fais les 2 mailles de séparation. Je vais ici dans ma troisième maille. Je fais avec une maille coulée, une maille en l'air et je coupe. Sinon, autrement, le changement de couleur risquerait d'être trop voyant. C'est ça le problème. Et ce n'est pas le but. Ensuite, je prends l'autre couleur. Donc là, j'ai pris mon autre couleur. Dans n'importe quel espace qui sépare nos groupes,
Donc ici, je vais faire une, deux, trois qui font la première bride. Dans le même espace, j'en remets deux. Une maille de séparation dans l'espace suivant qui sépare les groupes. On va refaire les deux groupes. Je profite également pour coincer mes fils. Les deux mailles de séparation et dans le même espace, on refait de nouveau un groupe. Pour passer dans le prochain espace, on fait une maille de séparation directement dans l'espace où on va refaire les deux groupes. Les deux mailles de séparation, même espace, on fait le deuxième. La maille de séparation, espace suivant, refait les deux groupes. La maille de séparation. Ici, on avait commencé avec un seul groupe, donc il nous en manque un deuxième. Donc, comme je vais à nouveau changer de couleur, j'ai refait mes deux mailles de séparation et je vais entrer ici dans la troisième maille. Je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et je coupe mon fil. Je vais juste passer à l'arrière, ce sera plus simple après. Je vais reprendre le rouge. Je vais me mettre dans un angle, n'importe lequel. Et là, on va refaire pareil. Donc, on va faire une, deux, trois qui font la première, on en rajoute deux pour avoir un premier groupe. Pour aller dans l'espace suivant, on fait une maille de séparation. Espace suivant, on va simplement faire un groupe de trois brides. Une maille de séparation ici dans l'angle. Chaque fois qu'on sera dans les angles, on va simplement répéter les angles. Avec un premier groupe, deux mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe. Maille de séparation, direct dans l'espace suivant, on fait simplement un groupe. Une maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter l'angle. On va donc tout simplement continuer ce même procédé du granit traditionnel jusqu'à la fin de ce tour.
Je vous montre une toute dernière fois, puisque tous les prochains tours, c'est exactement la même chose. Dans les angles, on va répéter les angles. Et à chaque fois, on aura un nouvel espace de plus. Ici, on en avait un seul. Maintenant, on en a deux. On a deux espaces entre chaque angle. Prochain tour, on va en avoir trois. Et ainsi de suite. Alors, je prends ma couleur. Et je refais. Donc, une, deux, trois. Et je refais je fais mon premier groupe de trois dans l'angle. La maille de séparation. Donc, dans le premier espace que nous avons, on va simplement faire un groupe de trois. La maille de séparation. La maille de séparation. Dans l'angle, on va répéter les angles avec un premier groupe, les deux mailles de séparation et le deuxième groupe. Donc ici, on peut voir qu'on a trois espaces, 1, 2, 3, entre chaque angle. Là, je reprends avec, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, hein. Donc avec la maille de séparation et on continue. Entre chaque angle, on fera simplement un groupe de 3 et dans les angles, on fera deux groupes. Donc vous changez ou pas de couleur, vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur le nombre de tours que vous désirez. Alors là, j'ai bien avancé le mien. Celui-là, par exemple, tu fais au total 12 tours en changeant à chaque fois la couleur. Si vous voulez qu'il ressemble un petit peu au mien, c'est le premier granit que vous allez faire doit minimum couvrir la poitrine. Si vous voulez quelque chose de plus large, donc plus grand, ben vous faites simplement plus de tours. Donc, le résultat final, votre boléro chauffe-épaule, sera juste plus large. Donc ici, vous allez faire un premier de la taille que vous désirez. Quand vous avez trouvé la bonne taille, vous allez faire au total 10 granits de la même taille. Donc ici, j'en ai 5. J'ai déjà les autres 5 qui ont été assemblés. Dès que vous avez donc les 10 granits, on va commencer par assembler 5 entre eux. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On va les assembler ici sur les côtés. Ici au centre, sur eux. Je vais vous montrer comment faire avec l'autre. Donc là, on va prendre une bonne longueur de fil de la dernière couleur. Je mets bien à l'endroit avec l'endroit. Je vais ici. Je vais faire un nœud ici à l'arrière. Je laisse une bonne longueur, comme ça je pourrais cacher le fil de départ également. Donc là. Je vais entrer ici dans la maille de séparation. Entrer dans ce sens-là. Et je vais prendre ici en face la maille de séparation qui correspond. Alors maintenant, on va simplement, on entre ici dans la bride. On prend celle qui correspond en face. On entre ici dans la bride, on prend celle qui correspond en face. Il y a plusieurs méthodes pour unir les granits. C'est vraiment vous trouver celle qui vous convient le mieux. Celle-là n'est pas spécialement mauvaise. Donc on rentre dans la maille de séparation, on prend celle qui correspond en face. Ici, on rentre donc dans la bride, on prend celle qui correspond, vu qu'on a le même nombre de chaque côté.
ne devrait pas y avoir de problème. Donc ça ici, vous allez le faire jusqu'à la fin et jusqu'à la maille de séparation des deux côtés. Quand vous avez terminé, vous prenez le troisième, vous faites le troisième, le quatrième et le cinquième. Vous faites une première rangée avec vos cinq premiers granits. Donc ici, je n'ai pas terminé, mais c'est pour être vraiment bien sûr, c'est clair pour tout le monde. Donc ici, quand j'ai fait mon dernier passage, je refais un dernier passage dans ma maille de séparation. Je passe mon fil de l'autre côté. Et ici, je vais faire un nœud ou deux et cacher le fil. Là. Donc pour le cacher, je vais simplement... Je vais le passer ici sous mes mailles. Et on coupe. Maintenant, oui, on va prendre les autres granits et faire pareil pour avoir un premier rectangle de 5 granits. Alors, quand vous avez fait l'union sur vos 5 premiers granits, vous allez faire pareil pour les autres 5. Donc, simplement l'union entre eux. Maintenant, c'est également à vous de voir et puis d'ajuster. On va de nouveau les mettre, les deux groupes de 5, l'endroit vers nous. Et là, on va reprendre de nouveau l'union, mais ça va être sur ces, par exemple, c'est juste un exemple, sur ces deux-là jusqu'ici. Là, ce sera l'ouverture pour la tête. Si vous estimez que l'ouverture est trop petite pour la tête, vous n'êtes pas obligé de faire l'union vraiment jusqu'au centre. Vous pouvez très bien faire l'union jusqu'à la moitié. C'est vraiment à vous d'adapter. Donc, dans tous les cas, on va dire qu'on va faire l'union sur ces deux-là. Le troisième au centre des deux côtés, on ne fait pas l'union, autrement, on ne pourra pas passer la tête, ça c'est logique. Et après, on va faire l'union également de ce côté-là. Si vous avez fait de l'autre côté sur ces deux granits, de ce côté-là, vous devez faire pareil. Si de l'autre côté, vous avez fait jusqu'à la moitié du granit, vous devez faire exactement la même chose. Le plus important à ne pas oublier, c'est qu'ici, le troisième granit de chaque rectangle, c'est là où on passera la tête. Donc, à vous de voir, je vais faire des essais par rapport à moi. Si je fais vraiment l'union sur les deux et je m'arrête ici au troisième, ou si je m'arrête un petit peu avant, pour être sûr que la tête, elle passe. Alors ici, sur la partie du haut, j'ai vraiment fermé jusqu'à arriver ici, bien au centre, de chaque côté. J'ai vraiment laissé que cette ouverture-là pour la tête. De l'autre côté, on va faire pareil. La seule chose, c'est que je n'ai pas fermé complètement, donc, jusque de la même façon, la même taille qu'ici, parce que quand même, il faut quand même que les bras rentrent. J'ai laissé un petit peu, je me suis arrêtée un petit peu avant, la même quantité de l'autre côté, j'ai laissé toute cette ouverture donc pour mettre les bras et passer la tête. C'est vraiment à vous d'adapter. Alors maintenant, pour terminer, ce que je vais faire ici, d'une ouverture, de l'autre ouverture, et ce que je vais également faire ici sur cette ouverture, c'est une ou deux rangées de mailles serrées. Rien de plus, vous pouvez vous faire autre chose. C'est à vous de voir comment vous voulez adapter. Donc ici, par exemple, pour vous montrer, je vais commencer par la partie du bas. Donc là, comme je vous ai dit, je vais simplement faire une maille serrée dans chaque bride. Une maille serrée dans la maille de séparation. Donc, ce que je vous disais, maille serrée dans la bride, maille serrée dans la maille de séparation. Vous avez compris que vous allez donc faire ce même procédé ici sur tout le tour, le nombre de rangées que vous désirez. Puis si vous voulez faire pareil pour les manches, l'ouverture des manches, vous pouvez.
Donc, après avoir fait le nombre de tours que vous désirez en maille serrée, ça vous donne ce très joli résultat. Quelque chose que vous pouvez vraiment adapter à toutes les tailles et toutes les couleurs, comme vous désirez. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.